Voilà, après Charles White, c'est Bala Samoura aussi, le haut commandement de la gendarmerie nationale, qui vient d'être suspendu. Et voilà, on suit et on parle de Charles parce qu'il paraîtrait qu'il a rendu sa lettre de démission, en tout cas qu'il a écrit. Je ne sais pas maintenant s'il a rendu ou qu'est-ce qui se passe réellement. Nous mettons ça entre parenthèses, mais on va développer juste après. Arrêté numéro 0028 PRG MDN CAB 2022 du ministère de la Défense nationale. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, vu la charte de la transition, arrête. Article 1er. Le colonel Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre pour non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l'article 8 du statut général et particulier des militaires. Article 2. Le chef d'état-major général des armées, l'inspecteur général des forces armées, le directeur général des ressources humaines, le directeur général de l'intendance militaire, le directeur général du service de santé des armées, le directeur de la logistique des armées et le directeur général du train et garage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, le 29 mars 2022, signé ambassadeur Aboubacar Sidiki Camara. Voici, chers compatriotes, au-delà de ça, nous avons appris que le procureur Charles White a écrit sa lettre de démission et il veut quitter ses fonctions. Mais l'information reste encore à vérifier. C'est une information que nous avons reçue, mais le plus souvent, les rumeurs en Guinée se réalisent toujours. Ça se confirme toujours. Et voilà, ce sont des conseils qu'on a toujours passés à colonel Mamadi Doumbouya. Mais le plus souvent, lorsque les gens sont aux affaires, ils deviennent sourds, ils n'entendent plus, ils ne comprennent rien. Ils pensent que c'est leur force qui les a amenés là où ils sont. Au lieu de faire du bien, il se comporte autrement. Voici les conséquences. Et le message qu'on a tous véhiculé à Colonel Doumbouya, de faire beaucoup attention avec son entourage, d'être au service du peuple, d'arrêter de prendre certaines décisions, nous sommes tous derrière ces conseils parce qu'on a toujours voulu que ça marche. Mais comme vous ne voulez pas que ça marche, les bonnes personnes vont vous quitter, les Guinéens patriotes vont vous quitter, et le peuple sera frustré, et finalement ce même peuple va se lever contre vous, et ça sera votre déclin. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien, parce qu'au sein de la justice guinéenne, Charles White reste le plus populaire actuellement. Il est dans l'esprit des Guinéens. Maintenant, si vous prenez des décisions et que vous poussez les jeunes patriotes de démissionner, je vous ai dit, ne frustrez pas les Guinéens. Ne vous cherchez pas des ennemis partout, vous ne m'avez pas compris. Mayawama, si vous ne rectifiez pas, si vous ne rectifiez pas tout ça là, d'ici la fin du mois de Ramadan, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si vous ne revenez pas à la raison pour respecter votre première parole, wallah, de Kemadji Kalamandi, allons seulement.